Hey, j'ai l'impression que vous êtes indispensable. Il n'y a que moi qui bosse ici. Je peux pas être partout en même temps. Trouvez-moi une machine à cloner. Il est temps de mettre en place un plan de délestage. Devenir esclave de ma propre boîte, c'était pas le projet quand j'ai démarré. Au contraire, l'idée c'était plutôt d'avoir plus de liberté. Si je veux continuer à développer mon activité sans finir en burn-out, il va falloir que tout ne repose pas sur moi. La machine à cloner, c'est une méthode en 6 points que je vais vous expliquer pour apprendre à quelqu'un à faire ce que je suis le seul à pouvoir faire aujourd'hui. Le bonus, c'est que ça marche aussi pour aider votre collaborateur à transmettre à son tour une partie de ses connaissances à un nouveau. Et ça, ça va débloquer la croissance. On va commencer modeste, en cherchant d'abord à transmettre un sujet. Vous ne pouvez pas vous débarrasser d'un coup de tout le boulot qui vous emmerde. Pas ce truc, hein. Allez, machin, occupe-toi de ça. Le but, c'est d'autonomiser quelqu'un pour qu'il fasse aussi bien ou mieux que nous. Si on essaye de se décharger le plus tôt possible, le plus vite possible, en vrac, on ne fait que différer le problème. Le boulot va être mal fait et il risque de nous revenir assez vite. Pour se décharger durablement, il faut procéder avec méthode. Commencez par faire une liste de toutes les tâches et de tous les sujets qui vous pèsent et que vous aimeriez déléguer. On va choisir par lesquels commencer. On va transmettre les gestes avant les décisions, les trucs fréquents avant les trucs rares et les trucs simples avant les trucs compliqués. Je vous montre tout ça avec un petit schéma. Imaginons que vous ayez une activité de support informatique pour les petites entreprises de votre ville. Le business marche plutôt bien, vous avez de plus en plus de boulot et là, vous n'en pouvez plus, vous êtes saturé. Vous dites qu'il est temps de recruter un jeune pour qu'il prenne en charge une partie des activités et que vous puissiez retrouver des vacances, des week-ends. La question c'est par où commencer? Vous avez fait la liste de toutes les activités qui vous prennent du temps et vous allez les classer selon deux axes. Il y a d'un côté la fréquence avec des activités qui sont rares ou très rares et des activités qui sont quotidiennes. Quasi et entre les deux, et de l'autre côté la difficulté qu'il y a à être autonome sur ces sujets avec des sujets qui demandent une grande expertise ou expérience, et puis de l'autre côté des choses qui sont assez basiques qui sont assez mécaniques qu'on peut apprendre facilement. Par exemple, si on prend un extrême de choses qui est rare et qui demande une grande expérience, il va y avoir la réponse à une cyberattaque. Et de l'autre côté, typiquement, vérifier tous les jours que les backups du client ont bien été transférés sur vos serveurs pour que vous puissiez récupérer leurs fichiers s'il y a une attaque. Ça, c'est quelque chose à la fois qui est quasi quotidien et qui est très basique. Et il va y avoir tout un tas de choses entre les deux. Par exemple, dépanner une imprimante, c'est, on espère, pas trop fréquent, mais c'est quand même assez basique. Et alors que de l'autre côté, installer un nouvel ordinateur pour un client qui a un nouveau collaborateur ou qui change de machine, ça peut être relativement fréquent, mais ça demande déjà une bonne connaissance, pas forcément, déjà il peut y avoir une connaissance technique, mais il faut aussi une certaine connaissance du client, savoir qu'est-ce qu'il aime avoir sur son ordinateur, comment ils sont configurés les machines chez lui, ou récupérer les différents comptes et régler tous les mots de passe qui vont bien. Donc c'est des choses qui sont un peu plus expertes. Donc une fois que vous avez fait toute la liste, hein, je vous les note pas, vous allez trouver des activités un peu partout sur le spectre. Et ça, ça va dessiner très facilement le plan de montée en compétences de votre collaborateur. On va commencer par le cadran qui est ici. Ici, les choses qui sont à la fois basiques et quotidiennes, pour vous, c'est la routine. Mais pour le nouveau, c'est déjà plein de choses à apprendre, avec deux grands intérêts. Le premier, c'est que comme c'est quelque chose que vous faites très souvent, vous avez très souvent l'occasion de lui montrer comment le faire et de vérifier qu'il le fait bien avant de l'autonomiser. La deuxième, c'est que comme c'est très fréquent et assez basique pour vous, c'est pas très intéressant et ça prend plein de temps, donc le fait qu'il monte en compétence là-dessus, ça va vous alléger énormément la tête et votre agenda.
Une fois qu'il aura acquis les bases, les fondamentaux, et qu'il vous aura déchargé de la routine, eh bien, il sera temps d'aller chercher des choses un peu moins fréquentes ou un peu plus compliquées, et graduellement, comme ça, de construire un plan qui fait que de plus en plus, il va vous décharger, il va être de plus en plus expert, et lui, il va avoir le sentiment de continuer à monter en compétences, ce qui est un super outil de fidélisation de vos collaborateurs. Une fois que le plan est établi, c'est là qu'on va mettre en place la méthode en 6 points. Vous avez choisi votre collaborateur, vous avez choisi votre sujet pour démarrer, maintenant il est temps de lui transmettre les connaissances. Et pour ça, on va utiliser ma méthode que j'ai appelée conserve. La première étape, c'est la contractualisation. C'est pas parce que vous voulez vous débarrasser du sujet que votre collaborateur est prêt à l'accueillir avec joie, bonne humeur et esprit constructif. Donc il va falloir vérifier dans un premier temps qu'il en est OK. Pour ça, vous allez lui expliquer que vous avez l'intention de lui transférer telle activité et le rassurer. Parce que pour lui, son patron qui lui demande de prendre en charge quelque chose qui était jusqu'ici fait par le dirigeant, ça peut être très flippant. Donc, lui demander ce qu'il comprend de cette activité, ce qu'il en sait, ce qu'il a l'impression de savoir faire, ce qui l'inquiète. Et deuxièmement, lui expliquer que vous allez l'accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'il soit autonome et que c'est vous qui allez garder la responsabilité du résultat jusqu'au moment où vous déciderez qu'il est assez compétent pour que ça soit lui qui prenne la responsabilité. Le but, c'est d'enlever la pression qui va lui libérer sa capacité à apprendre. La deuxième étape, après la contractualisation, c'est la mise en situation. Parce qu'on apprend 10 fois mieux quand on a l'utilité de ce qu'on apprend. J'ai une cliente, une fois, qui m'avait raconté une anecdote. Elle est retournée faire un 3e cycle dans l'école où elle avait fait ses études. Et elle me dit, c'est dingue, c'était les mêmes cours que quand j'étais étudiant. Pour certains, c'était les mêmes profs, mais c'était 10 fois plus intéressant et ça m'a été beaucoup plus utile. Elle pensait que c'est parce qu'à l'époque où elle était étudiante, elle manquait de maturité. Moi, je crois surtout qu'à l'époque où elle était étudiante, elle manquait de contexte sur la manière d'utiliser les connaissances et du coup, ça n'accrochait pas, ça n'avait pas de portée. C'est très important de partir d'une situation concrète, d'emmener le collaborateur avec vous si c'est des opérations qui se font sur le terrain, vous accompagner et voir le faire, s'imaginer en train de le faire et là, du coup, ce qui lui manque comme information devient beaucoup plus prégnant dans sa tête et il va être beaucoup plus avide et beaucoup plus réceptif à vos explications. Donc partir d'une situation concrète, le mettre dans cette situation, psychologiquement ou physiquement, pour qu'il se représente en train de faire. Et ensuite, vous allez lui expliquer ou lui dicter ce qu'il y a à faire. Et là, il y a un détail de procédure qui est assez important. Ne faites pas à sa place. Parce que quand vous faites avec votre expertise, il y a plein de choses que vous évaluez, que vous faites inconsciemment ou de façon extrêmement rapide et qui sont pas verbalisées quand vous allez expliquer ou que lui ne va pas voir s'il vous observe faire. Donc il va s'agir plutôt de lui expliquer en lui faisant faire pour que ça vous oblige, vous, à expliciter toutes les étapes. Si je reprends mon exemple de maintenance informatique pour les petites entreprises et vous êtes en train de transmettre la procédure pour réinstaller complètement un poste d'un collaborateur. Vous n'allez absolument pas toucher à l'ordinateur, c'est votre collaborateur qui va faire les opérations, il va être vos mains à votre place. Donc vous allez lui demander de commencer par vous allez lui demander de commencer par backuper les données. Et avant qu'il le fasse, vous allez lui demander comment il compte s'y prendre. Ça va vous permettre d'identifier les choses qui sont évidentes pour vous et qui ne l'étaient pas pour lui, et de les préciser. Demandez-lui, au fur et à mesure que vous lui expliquez les choses, avant de les faire, de les noter. Les notes, vous vérifiez qu'il a compris, il vous dit comment il compte s'y prendre, il l'écrit, vous validez que c'est bon, et il le fait. Quand cette première intervention supervisée est terminée, votre collaborateur a 2 choses. La liste complète de toutes les questions à se poser et des actions à effectuer dans l'ordre, et 2, il a une expérience concrète de l'avoir fait. C'est le moment
Critique, il faut capturer cette connaissance toute nouvelle. Vous allez lui demander de la retranscrire dans une forme durable. Quand j'ai mis au point cette méthode la première fois il y a 25 ans, je faisais rédiger un doc de procédure dans Word. Aujourd'hui, dans ma boîte, on utilise plutôt l'enregistrement d'une vidéo, que ce soit en filmant avec son téléphone ou en enregistrant son écran. Pour les opérations manuelles, comme changer le disque dur ou la cartouche d'imprimante dans mon exemple, une petite vidéo avec son téléphone, c'est super rapide à faire et très utile. Bon, ceci dit, c'est quand même une bonne idée de retranscrire à minima la liste des points clés des notes dans un doc, que ce soit sur Google Doc ou dans un Notion, parce que c'est plus facile à l'usage pour vérifier qu'on n'a rien oublié que de devoir à chaque fois revisionner toute la vidéo. Cette opération de retranscription est très importante. C'est le cœur de la méthode. Ça permet trois choses. Pour réexpliquer dans un doc ou en vidéo, le collaborateur va être obligé de repasser en revue tout ce que vous lui avez appris. Et tout ce qui était approximatif ou pas clair dans sa tête va ressortir et ça va obliger à le clarifier. Deuxièmement, mine de rien, ça lui fait une grosse révision à chaud et ça lui permet de beaucoup mieux mémoriser la procédure. Et enfin, à l'arrivée, vous avez un petit bout de manuel opérationnel qui va servir pour former tous les prochains sans devoir à chaque fois tout réexpliquer. Cinquième étape de la mise en conserve, le V de vérification. L'épreuve du feu pour une fiche de procédure, c'est sa mise en pratique. L'idéal, c'est si vous avez au moins deux nouveaux collaborateurs. Il y a le premier à qui vous avez montré et qui a écrit la fiche, et vous allez demander au deuxième de suivre bêtement la procédure qui a été écrite par son collègue en verbalisant à haute voix ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il fait, pas à pas. Alors là, je vois sur la fiche qu'il faut que je prenne les fichiers du dossier de téléchargement, donc je vais ici, je prends tous les fichiers, je les copie sur le disque dur de sauvegarde, etc., etc. Vous allez lui faire faire ça devant vous et devant le collaborateur qui a écrit la fiche. Tout ce qui était pas clair ou pas précisé dans la fiche va lui sauter à la figure et il va améliorer sa fiche. Ce point est très important. Il ne corrige pas son collègue, il corrige la fiche, puis il lui redonne pour voir si c'est plus clair comme ça. Et vous, vous restez en retrait à vérifier qu'il n'oublie rien ou qu'il ne déforme pas ce que vous avez enseigné. À l'arrivée, vous avez deux nouveaux collaborateurs capables de faire les opérations courantes à votre place. Vous allez en faire un standard de qualité de votre entreprise en demandant à vos collaborateurs de systématiquement suivre la procédure. Le plus utile, c'est souvent de leur faire créer une checklist de contrôle ou un aide-mémoire pour les opérations les plus courantes, en plus du manuel de formation. Ainsi, vous pouvez avoir dans le disque dur, dans le serveur de votre entreprise ou dans des classeurs, toutes les procédures pour former les gens, et puis ils peuvent avoir avec eux au quotidien sur leur bureau ou dans leur voiture, si c'est des techniciens itinérants, les checklists pour les opérations les plus courantes. Avoir formalisé ces process en faisant monter les gens en compétences, c'est un levier hyper puissant. Non seulement ça vous décharge, mais ça démultiplie le potentiel de votre boîte, car vous avez construit petit à petit tout le manuel pour former vos nouveaux collaborateurs, voire même pour créer une agence dans une autre ville. Vous avez devant vous le plan de développement de votre boîte. Mais attention, pour que ça se passe bien, il va falloir quand même faire un petit peu de suivi. Ce qui va se passer si vous lâchez trop vite, c'est que petit à petit, le collaborateur va prendre la confiance et qu'il risque de plus être aussi scrupuleux qu'au début quand il était encore un peu stressé. Et il va passer à côté d'étapes ou de vérifications importantes. Quand ça arrive, invitez-le à reprendre la fiche process ou le manuel. Est-ce qu'il a bien suivi toutes les étapes ? Peut-être, ça arrive qu'il faut corriger le manuel pour prendre en compte un cas particulier qui n'était pas dedans. Mais la plupart du temps, en fait, il suffit de le suivre et il a simplement oublié une étape. La simple piqûre de rappel va l'aider à mieux ancrer la méthode, surtout s'il refait le boulot. Faire corriger ses erreurs à quelqu'un, c'est un mécanisme d'amélioration beaucoup plus puissant que de le punir pour ses erreurs. Bref, une fois que vous avez formé votre collaborateur, il faut continuer de le suivre. Et pour ça, l'idéal, ce sont les 1 à 1, ces rituels fondamentaux du management. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Bon ben voilà, c'est fini. Clique ou retourne bosser.